On en vient à notre série. Cette semaine, elle nous emmène au Garrac, la plus grande école française de formation au métier de l'automobile. Créée en 1948 à Argenteuil, elle forme 1400 élèves chaque année du CAP à l'école d'ingénieurs. Et 20% d'entre eux vivent à l'internat de l'école. Tania Ouattine, Floriane Olivier. Jour de rentrée à l'internat. Ce 1er septembre, 250 jeunes s'installent dans leur école, le Garrac. Alors, monsieur Luneau, comment allez-vous? Vous avez passé de bonnes vacances? Oui, ça a été. Ça vous fait quoi de laisser votre fils à l'internat? Mal au cœur. Vous êtes là, allez-y, venez. Tiliane, en terminale, habite trop loin pour venir chaque jour à Argenteuil. Alors il dort ici la semaine. Les règles, pas de jean, ni de marque, ni de basket en dehors du sport. C'est strict comme règle? Oui. Voilà, au début, ça faisait bizarre, mais maintenant, je suis habitué, donc ça va. On est ici pour travailler, donc au moins là, on est du lundi au vendredi, on est dedans à fond. Un mois plus tard, les 1400 élèves du Garrac ont pris leur rythme de croisière. Du coup, là, c'est un deux fils. Deux fils. Inductif. Inductif. Bon. Il n'est pas alimenté. Bah, Emeric et ses camarades sont en BTS, maintenance des véhicules particuliers. Souvent, ce choix remonte à l'enfance. Comme papa, il avait déjà une voiture ancienne, automatiquement, je suis tombé dedans assez petit. On va venir contrôler pour avoir la certitude que c'est bien le capteur qui est défaillant. Ah oui, du coup les fils sont coupés. Ça peut pas marcher. Il n'y a pas de place pour les paresseux. Il faut travailler à prendre les cours, à prendre les capteurs, les actionneurs, à prendre l'électricité, le nom des pièces, à quoi elles servent. Et en fait, elles fonctionnent toutes ensemble, donc il faut tout connaître. 17h30, les externes sortent. Les internes partent pour l'étude. Bonsoir messieurs, sortez-moi du travail s'il vous plaît jeune homme, merci. On leur apporte des règles pour une seule chose, c'est qu'ils vont retrouver ces mêmes règles en entreprise. Merci, vous. Donc la rigueur qu'on leur donne ici, ils la retrouvent en entreprise. Moi je les prends comme des futurs professionnels, ce n'est pas des élèves, ce sont des futurs professionnels. Le Garrac prépare à une vingtaine de diplômes, du CAP au niveau ingénieur. Les 250 internes, qui ont quand même le droit de souffler le soir, affichent 100% de réussite aux examens. Demain, nous verrons qu'il y a aussi des filles au Garrac. Mais chut, il est 22h, il faut dormir. Reste dans le Val-d'Oise avec notre série. Cette semaine, on s'intéresse au Garrac, la plus grande école française dédiée au métier de l'automobile. Elle est basée à Argenteuil. Et sur les 1400 élèves, seuls 3% sont des filles. Tania Ouattine et Arthur Nice ont suivi l'une d'entre elles. En fait, tu as celui-là, c'est un second-là, et on a le différentiel qui est comme ça, et on a les deux sorties sur les arceaux. Une fille au milieu de 15 garçons. À 21 ans, Marie est un peu seule dans son BTS maintenance des véhicules particuliers. Au début, ça fait peur. C'est vrai que quand je suis rentrée en première année de BTS ici, quand on m'a dit que j'étais la seule fille, au début, j'ai eu peur. Mais après, franchement, quand on se fait une place, il faut juste arriver à se faire une place, avoir quand même un minimum de caractères pour des fois les remettre en place. 47 filles pour près de 1400 garçons, mieux vaut être passionnée. Marie adorait la mécanique sur la vieille Peugeot de son père. Mais quand elle a voulu se former pour en faire son métier, tu veux resserrer, mais... cela a surpris les anciens. Tu veux pas te faire salir les mains? Ah, vas-y, non, maintenant. Mes grands-parents, ils m'ont dit, ah, ça risque d'être dur pour toi. Tu es sûre que tu veux faire ça parce que tu es une femme, tu vas chez des hommes, ça risque d'être trop physique, voire trop dur. Enfin, je leur prouve le contraire maintenant. Ça fait un an maintenant que je leur prouve totalement le contraire. C'est le type de panne que vous pourrez avoir le jour de l'examen. Actuellement, tout ce qui est mécanique lourde, donc déposer un embrayage, une boîte de vitesse, un moteur, on est assisté, on a des tables élévatrices, des plateaux, enfin tout ce qu'il faut pour justement que même un technicien homme ne se fatigue, que se fatigue beaucoup moins qu'avant et surtout évite les blessures. Comme la moitié des élèves du Garrac, Marie est en alternance une semaine sur deux. Salut, ça va? Et donc tu t'habilles dans les toilettes? C'est ça, parce qu'en vrai il n'y a pas de... comme les gars qui ont des vrais vestiaires en fait. Donc nous, non, on n'a pas ça. Mais c'est promis, des travaux sont bientôt prévus.
Ce garage, c'est un peu sa deuxième maison. Le métier rentre. Ses jeunes collègues avouent qu'ils doivent un peu alléger leurs blagues lourdes, mais apprécient beaucoup de travailler avec Marie. Bon, elle bosse bien. Hein. Elle bosse bien. Ils y réfléchissent plus que les hommes, en fait. Donc ils font des trucs plus minutieux. Et c'est clairement aussi l'avis du patron. Vous êtes un très bel exemple de réussite. Merci. Et le but, c'est qu'il y en ait d'autres et que ça donne vocation. Bah, j'aimerais bien, ce serait le but, vraiment. Plus tard, moi, ce que j'aimerais, c'est ouvrir un garage, mais d'anciennes voitures, pour le coup. Donc être restauratrice de vieilles voitures avec un garage principalement fait de femmes. Les véhicules anciens, c'est justement le thème que nous aborderons demain. La suite, à présent, de notre série sur le GARAC, l'école des métiers de l'automobile d'Argenteuil. Elle vient de mettre en place une formation spécifique pour les véhicules de collection, un marché en pleine expansion et qui peine à recruter. Tania Ouattine, Christian Mirabeau, montage Gaël Poté. La mécanique chez les Busson, c'est une histoire de famille. Le père de Claude a ouvert ce garage dans les années 60. Quand je rentrais de l'école, bah, toutes ces autos-là, je les voyais. Ce sont des autos qui ont une âme, ce qu'on a pu maintenant. On arrive à faire revivre des autos, en plus des autos qui ont été à l'abandon pendant de nombreuses années. Et on fait revivre ces autos-là, donc c'est quelque chose qui est, enfin, pour moi, qui est très important. Claude refuse donc les véhicules modernes et s'est spécialisé dans les anciennes Alfa Romeo. Bon, enfin, ça fait rien, mais ça, normalement, ça n'a pas d'utilité, ouais. Hein, puisque c'est l'arrêt de câble pour celui-là. Une passion qu'il a transmise à son fils, Bastien. L'odeur d'essence, d'huile, c'est ce qui me plaît. Maintenant, une voiture moderne, c'est tellement aseptisé que... J'ai de plus en plus de nouveaux clients, et naturellement, il y a de la demande donc, au niveau de cet entretien, et il est très, très difficile de trouver des personnes compétentes, sérieuses. Donc, si je peux lui transmettre tout mon savoir, au contraire, c'est bien. Transmettre à d'autres jeunes, c'est ce que vient faire Claude ce jour-là au GARAC, l'école où il était élève dans les années 70. Avec sa vieille Alfa, il intervient exceptionnellement dans cette formation dédiée aux véhicules anciens. Bon, alors ça reste une italienne, hein, comme une anglaise. Mais de toute façon, quand ça fuit plus, c'est qu'il n'y a plus d'huile. C'est ça, exactement. C'est la deuxième année que le GARAC forme les jeunes aux véhicules anciens. Une réponse à l'explosion de ce marché de niche qui peine à recruter. Moi, si je prends l'exemple de mon fils, qui est venu ici au GARAC dans les années 2000, une boîte de vitesse, il ne sait pas comment ça fonctionne. Un carburateur, il ne sait pas comment ça fonctionne. Donc c'est normal, parce que ce n'est pas de sa génération et ce n'est pas ce qu'on lui a appris. Donc c'est bien justement que, entre autres, le GARAC ouvre ses sections. Et puis il trouve des jeunes mordus. J'ai fait un CAP mécanicien automobile particulière. J'ai eu la chance de tomber dans un garage de véhicules anciens. Et mon frère m'a aussi transmis la passion. Donc je me suis dit, pourquoi pas continuer dans ma lancée. Et donc me voici ici, prêt à apprendre. Un apprentissage qui mènera sans doute à un CDI dans ce domaine si recherché. Demain, nous verrons comment les jeunes se forment aux véhicules électriques, hybrides et connectés. Dernier volet à présent de notre série sur le GARAC, la plus grande école française de formation au métier de l'automobile. Elle doit sans cesse s'adapter à l'évolution du secteur avec toujours plus d'électronique et d'informatique. Tania Ouattine, Floriane Olivier avec Gaël Potet. Je vous laisse regarder sous le véhicule, déjà si vous localisez des éléments. Première découverte du véhicule électrique pour ses élèves en première année de BTS. Ouais, c'est comme un moteur thermique de base. Hein. Vous avez votre moteur. C'est quoi, c'est le 6 ? Au début, ça fait un peu peur parce que c'est de la nouvelle technologie, donc on ne sait pas trop. Mais en fin de compte, vu que ça, c'est l'avenir, tout le monde veut passer à l'électrique, il va falloir s'y intéresser obligatoirement à la fin. Quoi. Mais réparer un véhicule électrique demande une habilitation spécifique, une courte formation souvent financée par l'employeur. En BTS, les jeunes sont juste initiés au danger de ces voitures équipées de batteries 400 volts. Allez, tiens, la petite visière, les gants isolants. Et par-dessus, on rajoute des surgants. Et au moins, on est sûr d'être en vie grâce à ça. On ne peut pas
intervenir sur la partie mécanique si on n'est pas habilité, parce qu'il y a toujours ce risque d'électrocution du moteur électrique. Bon, on va y aller. Moins dangereux, mais de plus en plus fréquents, les systèmes d'aide à la conduite. Impossible de les calibrer ou dépanner sans tablette. Non, mais déjà, avant, vous avez loupé cette étape-là. En fait, il faut pointer le laser sur la réglette ici, parce que il va vous positionner. Les élèves découvrent comment régler une caméra qui permet d'assister le chauffeur de poids lourd dans le maintien de sa trajectoire. Le métier de mécanicien évolue. Il va falloir qu'il s'intéresse à l'informatique, parce que quand on veut brancher un outil diagnostique sur un véhicule, des fois, il faut avoir le bon driver pour se brancher, parce qu'on peut être bloqué. Là, vous avez des miroirs. Bah, c'est un monde techno qui devient un petit peu plus compliqué. Pour moi, je trouve ça assez intéressant. Ah bah, ça diversifie un petit peu le métier. Après, voilà, c'est comme tout domaine, il faut savoir s'adapter. Pour s'adapter, l'école investit aussi dans du nouveau matériel, comme dans ce scan pneu à 36 000 euros, qui permet un diagnostic ultra rapide. On a la bande de roulement qui est usée au centre. Cet outil commence à équiper certaines concessions. Les enseignants doivent donc aussi le découvrir pour transmettre les évolutions du métier. Un jeune qui va rentrer ici à l'école, il va passer 3 ans, jusqu'à 8 ans dans l'établissement. Et évidemment, le dessin de l'atelier, les services de l'automobile, il va changer. Donc aujourd'hui, nous, au Garac, tous les ans, c'est les investissements. Le but, l'insertion professionnelle des jeunes. Et en moyenne, 97% des élèves ont un emploi en sortant du Garac.